Scusi, ma un poco di sipeca. Ma che follia, eh? Allora. Se possibile. J'ai horreur des matinées. C'est trop beau. Horreur des matinées. Je suis venue à cause de vous. Faites, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas du tout. Moi, vous comprenez, j'aurais aimé être chez moi, tranquille, à la maison, voir l'invité du dimanche, dans un fauteuil, à destre, à une de thé, à sinistre, un bon gâteau, un fumé de cigare, tranquille. N'en parlons plus. J'irai jusqu'au bout, oh là, j'ai promis. Jusqu'au bout. N'aie pas peur de l'adversité. Jusqu'au bout. Grazie. Madame, que nous n'aurions jamais osé de nous-mêmes de inviter. C'est moi que je l'ai demandé, voilà. Il m'amuse tellement, c'est très gentil. Vous l'aviez déjà vu au théâtre. Oui, je l'ai vu pas mal d'années. Merci infiniment, monsieur Degas. J'espère que je ne vous ai pas gêné. Écoutez, non, je suis tellement heureux d'être là, c'est pas très... Il paraît qu'au théâtre, quand vous chantez, quand vous faites ce numéro, vous ne pouvez plus rien faire derrière. Ah, c'est impossible. C'est impossible. Rien ne passe derrière Calas. Plus rien. Je ne peux plus ni rajouter quoi que ce soit. C'est impossible. Et si par hasard, parce que j'ai des ennuis tant. Non, mais vous l'avez dit exprès pour me faire plaisir. Ah non, ça je vous certifie, les gens réclament, oui. N'importe où, dans n'importe quel endroit, qu'il y ait 3000 personnes, 5000 ou 100 ou 200, toujours, partout. Voilà, c'est à cause de la fascination que vous exercez, mais aussi de la fascination qu'exerce le bel canto. Exactement. Il faut dire qu'il y a une passion extraordinaire du bel c'est canto. Vrai. Ça va être l'objet de notre conversation c'est maintenant. C'est-à-dire que vous nous faites aimer. On aime certaines choses à cause de quelqu'un, je crois. Certains pays à cause d'une personne. Eh bien, même moi, je l'avoue, avec humilité, Merci, je suis devenu presque un mélomane, parce que maintenant, je vais à l'opéra, et c'est grâce à vous. Vous allez regarder la suite de l'émission. Merci, Claude. Et nous allons, avant de parler du bel canto, nous rendre...